Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Docker Funk pour un nouvel épisode 2 Donjon à Hullbuck. On va aller tabasser des pillards orques, pouce bleu, abonnez-vous, tout ça, enfin bref, vous connaissez la chanson. Je vais la tuer. Bureau de Revax, hein, direct, hein. Oula, oula, pas les bonnes touches de clavier, pas les bonnes touches de clavier, voilà. Let's go, sépare Zissi. Normalement on est devenu un groupe fort, un groupe fier. Un groupe qui aime pas qu'on lui marche sur les pieds. On l'avait déjà. Le truc des gobelins. Alors, il y avait une salle au robinet, de mémoire. Je sais pas où est-ce qu'ils sont, ces pillards orques. Hein. je veux bien les retrouver. Là, il y a des robinets. Ne dites pas qu'il n'y a pas un robinet là-dedans pour moi, quoi. Faut trouver les orques, c'est ça, faut tabasser. Faut trouver les orques. J'ai raté les orques. Faire toutes les pièces. Je suis désolé, je ne suis pas encore assez puissant pour contrer les dieux. Deux hommes, partez. C'est à moi que tu causes? Ça doit être des pillards orques. Ils ont l'air vachement balèzes. Moi j'en défonce quatre au petit-déj. Un câlin, miam miam. Tant pis, orques tout tués, kaboum, pillez après. Amateur, nous on pille pendant qu'on tue. À l'assaut, au pillage. Le barbare, il vit trop son meilleur moment. non. Oui, je préfère. Ça devant. Ça par là. Ça, tu fous un tank devant. Lui, par exemple, derrière, c'est très bien. Et une elfe encore plus derrière. Voilà. C'est pas mal. Baston. Tuez ! Tuez ! Pouf pouf. Pouf pouf. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal, hein. C'est quoi? Ouais, j'ai peut-être pas cramé mon action sur ce combat. Vas-y, je vais me positionner ici. Après tout, j'ai une bonne esquive. D'accord. Tac tac tac. Me voilà. Je prends un peu de risque hein mais Tonga, voilà. Ah, lance-toi ma magie. Mais c'était un risque très très calculé. Tac. J'ai le bonus de mon Garen. Feu. Très joli tir ma fille. Non, une petite baston, hein. 91, hein. 1% de chance de toucher. Hein. Oh, c'est devenu sale, hein. Oh, ça tâche, hein. Oui, parce que ça, tu vas pas vouloir le... Ah! Ah, ça aurait pu se bricoler, hein. Vas-y, viens me l'embrouiller ici. Ça me va. À moi. Force des orques, ultra énervé. C'est parti. Un ogre. Oh, un ogre en action quoi. Ah.
Oui, bah le truc c'est que l'ogre il s'en fout un peu quand on lui tape dessus. Mais c'est très mignon. Tac 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 tac. Furtivité. Je ne suis oh pas mais là. Non mais... Cancre là un jour, cafard toujours. Bon ça va, c'est pas sur un truc très méchant donc ça va. Zom cassé. Aïe. Oh c'est la première fois qu'on arrive à pousser mon nain je crois. Vas-y, on va continuer à bombarder. Oh. Un poulet. Quand tout à coup, un poulet. Si c'est du poulet, il est à chier. Mais ça me paraît déjà tellement formidable. Je vous le dis tout net. Pouette, pouette. Ouais, vas-y, ici. Est-ce que je me ferais pas un petit tir longue portée qui aurait une chance de tuer quelque chose ou quelqu'un? Oh, mais rapporter ces livres nous a fait tellement de bien. Vous imaginez, même peau. Tac 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 tac. Tac tac. Non, bon, il faudrait que je me rapproche de par de là en fait, mais. Une boulette de feu, c'est combien une boulette de feu? 69%, vous êtes cramed. Oh, mais la violence, hein. Oh, la violence de ce gameplay, quoi. Ah, je sens que je vais avoir un poulet qui va me rentrer dedans. Et on aura pour tout le monde. Dans tes genoux. Le poulet a pas encore joué. Hop. On joue à voleur solitaire. Tu joueras pas. Alors c'est le moment de jouer les vraies choses. Qui a un bobo doigt à soigner? Le nain je crois. Ah ouais mais il est trop loin le nain. Non, nain, barbare. Ogre. Ils sont tous trop loin à soigner pour moi quoi, c'est terrible. Les orques, c'est dangereux. Il faut une bonne tactique. Bon, la tactique avait l'air pas mal. Ok, la politique des zoubis, ce sera pour... Visiblement, ce sera pour le nain. J'ai réparé mon nain. Une gifle de chez Standard. Non pas Standard. Et du coup j'ai régénéré mon barbare. Oh ça détend les petits combats comme ça, ça fait du bien. Presque tout seul. C'est dire. Bouclier solide de Palouf. Je crois que j'ai déjà ça. Le robinet miraculeux. Je prends tout. On va remplacer le. Terminé les orques. Ils étaient en train de ramasser tout ce qui traîne. Ces orques n'ont aucune dignité. Ils avaient aussi un robinet qui coule sans être branché au mur. C'est sans doute le robinet qu'on nous a envoyé chercher. C'est pratique pour se laver les cheveux n'importe où. C'est pas faux. C'est... Non mais c'est pas faux hein. On peut pas lui donner tort hein. Bague de courage mineur. Ouais bah c'est un peu nul hein. T'as déjà le bouclier Palou de parade. J'aime bien celui que j'aime bien celui qu'il a. On va garder ça. La maraude sauvage. Rien n'a d'intérêt. Voilà. Allons-y, on se tire d'ici. Tac tac tac. Un gars là, il s'est barré, il est déjà parti. Tac.
Étage abandonné, non, je veux pas aller ici. Il y a taverne. Et l'autre, il s'est fait botter le cul, mais en prison. Donc je crois qu'il faut que je descende en cave. Et de cave, faut que je descende encore, je crois, manuellement. Ou je sais plus quoi. Je sais même plus comment on accède. Tac. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Ouais, c'est ça, je vois un petit... Attendez. Ouais, on a un petit drapeau au tripot. Exact. Let's go, le tripot. Oh, hé. Hein. Bon. Sommes sérieux un instant. On y est... comme... Alors, discutons, t'as des choses à dire ? Bonjour. C'était passionnant. J'ai adoré vraiment notre discussion, c'était une rencontre... mémorable. Tu vends des grenades ? De la lacrymo, de l'acide. Je cherchais plus du gel. Parce que le gel, c'est vraiment très fort. Je suis toujours le plus démuni. Toujours. De l'acide. Ok. Oh oh, d'ailleurs, en parlant de ça. En termes de garniture des ceintures, ouais, ouais, il manque de la bouffe ici. Hein. Une petite saucisse, mon poulet ? Allez. C'est bon, niveau garniture. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans les poches ? Ok, on est bon. Le nain, je lui ai filé un poulet. Oh putain, vraiment. Prends une saucisse de Loubert, parce que vraiment, les poulets, ça va 5 secondes, quoi. Ça va la blague du poulet, quoi. Ça vaut pas le coup de gaspiller une action entière pour ça. Ah, vous êtes là, Saligo. Pardon ? Mais on se connaît ? C'est vous qui m'avez refilé la potion de compétence absolue pour une blinde, espèce d'escroc ! Oula ! Mais je suis connu comme un honnête marchand, moi ! Je suis pas un malfaisant ! Faudrait pas me ternir ma réputation ! Et puis, vous avez dû manger un poisson pas frais ! On va te ternir les miches à coups de pelle, plutôt ! Un marchand honnête, c'est impossible ! Ah, je vois ce que c'est. Vous réagissez mal à la magie des elfes, c'est tout ! Il y avait une chance sur 1 million, c'est pas de bol. La magie des elfes ne produit pas ces odeurs, vous dites n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous en savez d'abord ? Bah, je suis une elfe. Et alors ? Vous croyez qu'une vache ça connaît le goût d'un steak ? N'importe quoi. Allez, donnez-lui un antidote. Oula, comme vous y allez. Donnez, si je commence à donner des trucs, je mets la clé sous la porte en 10 minutes, moi. Non. Par contre, j'ai des potions d'antidote à vendre. Tout ce qu'il voudra, j'en ai plein le dos. On va rien payer du tout. On prendra l'antidote sur son cadavre. Donne la potion ou je te tranche la gorge. Et je t'achève à coups de boule de feu. Et moi, je tire une flèche. Non mais attendez, on va se détendre, hein. Bon, vous mettez sympathique. Je vais vous offrir un échantillon gratuit de potions d'antidote. Mais pensez à ma famille. Ma vieille grand-mère n'a que moi. Voulez-vous boire maintenant l'étrange potion que Gisbert vous a donnée ? Cet enfer cesse. Ouf, tant pis pour la compétence suprême. Ah, ça va mieux. Et voilà une bonne leçon. La magie, ça s'apprend. Oui, il ne faut pas boire des choses qui ont le goût de poubelle. Il faut pas donner de l'or au premier escroc qui passe. Et surtout, ne pas laisser la vanité gouverner ta vie. Marrant, ça m'a rendu sourd cette potion, j'entends rien. Bon, allons-y. Putain, vraiment. Vraiment, le mec, il a pas une potion normale. Mais c'est drôle parce que, vu qu'en même temps, on joue à Potioncraft, je suis en train de me dire, tu sais, on dirait vraiment les résultats de potions foireuses. Ça, c'est incroyable. En fait, le mec a acheté toutes les potions foireuses à 0 pièce d'or. Oh, joli dessin, c'est quoi ? Ramener le robinet au client. Ouais, mais j'ai toujours pas les boutons. Moi je veux l'escalier qui descend encore, parce que c'est en bas la prison. Tant qu'on y est. Il faut descendre au niveau de la... Je sais même plus si c'est prison, c'est au niveau de la cave ou c'est encore un autre étage. Je sais même plus. Je ne sais plus, je ne joue pas assez souvent à ce jeu.
Café ? Qu'est-ce que vous en pensez, YouTube ? Petit café, là. J'ai une migraine à m'arracher la tête, mais petit café, là. Hop là. Let's go. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Il y a une bibliothèque à Bibi ici. Allons juste la voir vite fait. Ah, c'était celui sur les pièges, je crois. Et elle est déjà remplie. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Ah non, on les avait pas tous, théorie des pièges. Enfin, ok. Le voleur gagne 2 en courage. Oh, le voleur va avoir de l'initiative. Putain, génial. Oh, génial. Enfin, quoi. Oh, j'ai tellement bien fait de descendre ici. Oh là là. Et on se source, hein. On se source de bonus qui traînent, là. Je vous conseille d'éviter les maraudeurs. Ils sont parfois dangereux avec les gens inexpérimentés ou mal armés. Comment il nous cause, le gros tas ? Les conseils de survie ne sont jamais inutiles dans des oreilles avisées. De toute façon, ils se cachent le plus souvent derrière leur porte. Si on les croise, on leur... Une porte à... Bon. C'est toujours le même dialogue. Dommage. Dommage. Et donc, la prison... parce que visiblement, il y a la prison. Alors, soit je peux pas encore y accéder... soit c'était... Comment on accède à la prison ? Alors, que je mette la carte à jour. Ouais, bon, on va passer par là, on va voir. Ouais, c'est retourner la veste. Oui, non, c'est bien ça, il faut que je suive ce que me dit l'ascenseur. Normalement, il va me proposer le bon endroit. Non. Bah, merci. Étage abandonné ? Je peux pas accéder à la prison. Donc, je peux pas accéder à la prison. C'est pas l'étage 3 à demi là, ou un truc comme ça. Il faut passer par. Ouais, c'est pas ça. Hop. Faut revenir à la taverne, je pense. Faut revenir à la taverne. Et à partir de là, prendre l'escalier, je crois, qui est au fond. Côté partie VIP, je crois. Ça me dit un truc comme ça. Alors, je suis pas sûr. Hein. J'aurais aimé qu'il y ait cette petite scénette d'ailleurs, quand on voit la logre en train de manger. Ça aurait été très drôle qu'il y ait. Ah bah il faut aller voir le crétin dans son carnet. Ah bah non, c'est le robinet ça. Putain, mais. Lui rapporter son robinet. Et voilà, nous avons le robinet magique. Faites voir. Ah, parfait. C'est formidable. Ma femme pourra prendre des bains tous les jours. Ça sert à rien les bains. Ça fait durcir les bottes. Il faut les enlever avant d'entrer dans l'eau. C'est débile. Les bottes, c'est pour pas se mouiller les pieds. Donc, il faut les garder pour entrer dans l'eau. Fascinant de voir le barbare s'essayer à la logique. C'est... En tout cas, merci pour ce robinet. Voici de l'or pour couvrir vos frais. Et il a encore une caisse. Très bien. L'XP du groupe. L'ogre gagne un niveau, l'ogre. Allez, l'ogre gagne un niveau, là. Le nain gagne un niveau. Le nain gagne un niveau. C'est très acceptable. C'est donc très accepté. Compétence du nain. Alors le nain, est-ce qu'il serait pas temps de mettre des gros coups de hache façon Gurdil ? 50% chance d'être étourdi. J'aime bien le concept. Le problème c'est que c'est que 50% de chance, ça c'est un peu embêtant. Ou on part sur un 120% de dégâts. Ce qui fait alors très mal. La cible subit des dégâts et est repoussée de 2 cases à coups de bouclier dans les dents. Protège un ailier en redirigeant vers le nain, 50% des dégâts. Ouais, pas mal. Tenez-le. La cible subit des dégâts importants. Ne peut être lancée que si l'attaque est soutenue par au moins 2 alliés. À 200%. Ah ouais, le savatage de tronche, quoi, vraiment.
40 dans du max, pour l'instant j'ai pas trop besoin. 5 de parade, ce serait très rigolo. 3 de force, ce serait formidable. Amélioration de l'attaque standard au corps à corps du nain. Elle inflige à la cible un malus de moins 3 en protection pendant un tour. Comment je savate les poneys? Oui, c'est comment tu savates les poneys. La torgnole façon Gurdil, tout est sexy. Dégagez, mais moi j'aime bien arracher des gueules tout court. Je suis trop puissant. Parce que 50% de chance, c'est bien, hein, c'est une chance sur deux, mais... les combats où ça veut pas, t'as le démon, quoi. Et je vais lui mettre pareil, je vais le faire passer à 16 en... 16 en adresse. Moi, ouais, j'ai pas trop de problème avec le nain qui touche. 120%, c'est sexy, quand même. Hein. Parce que c'est plus que mes dégâts de base. C'est 20% de plus que mes dégâts de base. Sachant que je viens de prendre 3 en force. J'applique à tous les gens qui m'entourent. Après, étourdi, ça me laisse tout le temps de les savater au sol tranquille. Ah, je sais pas, hein, j'avoue. Allez, bon, vas-y, moi, je suis un bourrin. Ah, je sais pas, j'arrive pas à me décider. En secours, j'arrive pas à me décider. Allez, fallait se décider. Ce sera 50% étourdi. C'était dur, hein, comme choix. J'aime tellement roxer du bonnet. Alors, que je mette la carte à jour. Ouais... À l'aventure, compagnon. Chrome n'a pas besoin de carte. Ok. D'accord. Je suis pas avancé, moi, avec mon histoire, là. Oh, les jolis dessins, c'est quoi? Non, mais sérieusement? Comment on accède à la prison? Ah, mais c'est 5e étage, en fait, parce que... Brutimarn. Ok, c'est l'étage que je cherche à atteindre. D'accord. Donc là, ce qu'on cherche, c'est la réponse à mon énigme. Énigmatisante, hein. Ouais. On s'est pris une dérouillée de steak de frites par ici. Marcher dans un piège. C'est une blague. Est-ce que ça porte bonheur? Les pièges sont réactivés? Ou je l'avais jamais désactivé? Je vais péter un plomb. Je pense que le jeu m'a escroqué. C'est une très mauvaise blague. Tac. Je crois que je me serais mangé ce piège 3 fois, moi. 3 ou 4 fois. En tout cas, bien. Et c'est pas fini, parce que potentiellement, je vais encore me le prendre. Se le prendre d'ailleurs, c'est par là, je crois. Non. C'est juste par là. Tirez sur le bon loquet. Ok, c'est vraiment celui-là. Ah non, ils m'ont réactivé des pièges. C'est pas...
C'est sûr, là. C'est sûr. C'est sûr. Tirez sur le bon loquet. Après, moi, ça me fait des bombes en plus. Et normalement, un peu d'XP, je crois. Je suis même pas sûr. Pourquoi je vois pas le fond de salle? Attendez, il y a un fond de salle que je ne vois pas. Ça me perturbe au plus haut point. On ira à gauche, tac tac tac. Tiens, il y a bien des escaliers dans cette pièce. On ne les voyait pas avec la fête, c'est tout. En parlant de fête, c'est quoi ces bouffons en robe? Arrêtez! Au nom du seigneur du hasard malheureux, dieu de la loose et commandeur du fumble. On dirait encore des cultistes manque de bol. Votre quête de la statuette de Gladolfora doit cesser, car elle menace la stabilité de l'univers. Ah ouais, c'est ça. On s'en tamponne l'oreille avec une babouche de tes conneries. Nous, on veut de l'or. Et de la gloire. Et puis, survivre. Et puis faire des bisous à des marmottes. Et que là, miam miam glouglou. Et puis une aspirine. Peu importe. Manque de bol veut que vous mouriez, encore et encore, pour l'éternité! Et juste une question, avant qu'on en vienne aux mains, et pourquoi ne pas nous avoir tués pour de bon? Pourquoi ce piège temporel? Eh bien, c'est secret. Mais là, vous allez nous tuer, et puis ils nous reviendront au début du donjon et ils nous auront tout oublié, c'est bien ça? En gros, oui. Du coup, vous pouvez tout nous dire, non? Ça se tient. Disons que si vous mourrez pour de bon, vous finirez par être remplacé par des aventuriers plus compétents. Encore un qui se fout de nos tronches? Mieux vaut piéger des boulets comme vous pour l'éternité plutôt que de les éliminer définitivement. Cela évitera que le monde ne soit détruit par mes gardes, par des aventuriers compétents mais fourvoyés. Mais si on parvenait à se libérer de la malédiction? Aucune chance! Vous êtes trop stupide! Alors pourquoi vous nous barrez la route? Les voies de manque de bol sont impénétrables! Pourtant, je suis certain qu'avec un objet bien pointu... Blasphémateur! À l'assaut, frères du destin trébuchant! Que leur sort soit funeste! Oh, le paquet de sbires. Alors... J'ai des sbires partout, j'en ai dans le dos... Ça, ça va me péter à la moule si j'y vais. Maître Nain. Monsieur l'ogre. Monsieur l'ogre de haut. Toi ici, un ogre par là. Un ranger. Une elfe. Un voleur que j'aurais bien fait passer par là, mais qui ne pourra plus. Et un voleur ici. Deux bourrins dans les côtes du fond. Quoique. Pourquoi me priver d'un voleur Pourquoi me priver d'un voleur ici? Allez, let's go. Manque de bol. Donne-nous la victoire par tes dés pipés. Bah, mets-toi là. Attaque de flanc. Oui. Cette attaque de flanc, viens là. Un bon coup bien puissant de super-héros. Oh, Nico est pour moi. Là, je vais me prendre un gros dans la face. Ça s'est très bien passé. Tac, 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 tac. C'est dangereux, ça. Mmh.
Elle est vraiment nulle. C'est un scandale. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Alors ça, c'est un barbare. Ça, c'est un barbare qui va être très embêté, mais qui va aller quand même chercher le magot. Oh, ça le sort, ça, hein. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Baston ! Sabatage de couilles ! De bol, aide-moi ! Et manque de bol ne peut rien pour toi. Ça a explosé, ça. Ok, j'aurais essayé. Je voulais. Ce que le lard est à la soupe. Si un ennemi est au corps à corps. Oups. Ah, j'ai donc un ennemi au corps à corps. Oups. Oupsi doupsi. Ah, mais je suis con. Hein. Vraiment, j'aurais dû faire ça depuis le début en fait. Voilà, je me gèle aussi. Je m'auto-fatigue moi-même. Voilà. Ah, et l'autre il a rien eu. Putain, c'est dégueulasse. La fin de mon tour. Je fais bugger le jeu. J'ai fait freeze le jeu. L'infortune sourit à ses fidèles. Ah, flétrissez dans ma bouche. Très bonne question, mec. Une... Ça tapera à côté. Une, deux. Si je veux le toucher, faut que je me mette là. C'est bien ça. C'est bien ça. Ah oui, j'ai même plus de lit maintenant. Excusez-moi, maintenant elle est améliorée. Ah oui. Donc là, je peux me reculer d'une et rentrer dans l'art celui-là. Je vais pas me gêner. Hop là. Celui qui est collé à mon barbare. Y'en aura pour tout le monde. Voilà. Viens voir ta gueule. Pour le chaos et les orteils cognés dans les meubles. Allez, à moi. À moi. Dans tes rêves. Nous servons la malchance. Par le pouvoir de la loose ancestrale. C'est problématique. Ouais. Serre les dents. Ça fait un peu mal. Barrage d'acier, non, coup terrifiant, pourquoi pas, c'est rigolo drôle. Allez, vas-y. L'état effrayé oblige le personnage à s'éloigner immédiatement de la source de peur. C'est un état instantané, il ne dure donc que pas plusieurs tours. Un personnage peut y résister grâce à sa résistance magique. Oh, j'ai enfin réussi à effrayer quelqu'un depuis le temps que j'ai ce coup. Oh, ça c'est du combat d'équipe. Hein. Oh, ça c'est des mecs. Hein. Solide sur les appuis. Hein. Allez, passe ça, le moment. Je sers l'infortune et c'est ma joie. Là, je vais déjà retourner au sol. Hein. Ah,
Oui, bah soigne-moi ça, hein. Pas trop le choix. Hein. À moi, vermine. À moi. Oh, il a enfin esquivé un truc. Putain, c'est vrai que j'avais oublié qu'il était fort en esquive. Fumble est défoireux. Ok. Est-ce que j'ai envie de te payer un sursaut d'adrénaline? En vrai, oui. Il est où le con? Le truc, c'est que toi, t'es plus performante comme tireuse que comme toute autre chose. On va leur défoncer le coin, ces bouffons en capuche! C'est ça, je peux pas le tirer dessus. Tu peux me coller un tranche tendon à une de ces ordures là? Genre lui là? Et si t'allais leur coller ton plus beau tourbillon de Waza à ces connards? Voilà. Oh, j'ai même envie, tu sais quoi? J'ai envie de nous offrir un spectacle de magie, sons et lumière. Voilà. Avec la petite gifle qui va bien. Dégage-moi ce connard. Oh, l'échec critique. C'est cruel. C'est cruel ce qui vient de m'arriver. Avait un aspect suspect. Je suis pas vraiment, je suis pas très fan, hein. Pas très fan des combats foireux. J'aurais peut-être dû soigner mon équipe aussi, hein, au lieu d'arriver ici dans un sale état. Peut-être été une riche idée, ça. Tac, tac, tac. Dégage, t'es sur mon chemin. Et paf, dégage. Voilà. Savatage réglementaire au sol. Ça, ça dégage par là. Ah, il bouge pas. Échec critique. Trop plein de soupe. Mais putain. C'est vraiment sérieux ça. C'est parti. À moi. Il s'est soigné avec, putain. J'ai le démon, il aurait dû mourir. Tu la vois mon énergie astrale, non? Elle est mourue là, madame. Mais c'est sérieux ça?
Quelqu'un qui a tous ses points de vie. Lui, il a tous ses points de vie. Alors, si on veut pas se prendre de coups, on se prend un coup quand même. Hop, 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 on va se mettre dans son flanc. Parce que mon soin n'est pas disponible. Je pourrais faire ça, ou alors une petite grenade à l'acide. Non, vas-y, les mercenaires se battent pour de l'argent, nous... Bon, il y a la vente. Le premier coup est pour moi. Pourquoi je me fais toucher? Ah oui, je me fais toucher parce que lui, là. Bah, je fais lâchement. Hein. Ah non, tue pas. Ça, ça marche pas. Putain, c'est horrible, hein. Ouais, bah on a envie de dire que c'est un vrai manque de bol, hein. Ouais, vas-y, achève-moi ce machin. Manque de bol, aide-moi. À moi. Par le pouvoir de la loose ancestrale. Elle a sommé. Quelle putain de chance. L'autre il se régène en boucle, c'est un sup. Bah j'ai pas énormément de solus. Essaye de me crever ce con. Hein. Super, merci mec, grosse participation. Super, viens, viens ici, prends ton coup d'opportunité. Hein. Voilà, moins 16 PV en cul. Excusez-moi, hein. J'essaie de rester poli. Lol, non, pas du tout. Est-ce que cette fois-ci tu vas réussir à tuer quelqu'un dans ta vie? Cette fois, il nous échappera pas. Je ne suis pas là. T'approches pas trop près. Flétrissez dans ma bouche. Ah bah il va me tuer ma sorcière. Bien joué. C'est un combat perdu. C'est un combat perdu. C'est bien dommage. Ouais, on va sortir tout ce qu'on a. Hein. J'aime pas les trolls. Et puis je me prends toutes les attaques d'opportunité. Hein. Y en a pas un qui loupe. Hein. Y a que moi qui loupe mes attaques d'opportunité. On souffre. Hein.
Hop, hop, hop. Me voilà. Plus tendu. Ah. Ouais, non. Je peux pas claquer mon endu. Faut que je garde mon endu. Ah, ça lui a rien fait, putain. Vraiment. Ma déception est totale. Le dieu du fumble. Est-ce que ça porte chance? Ça sert à rien. Fous lui un truc dans la gueule. Ouais, ça a pas bon goût les potions. Ok, armure d'épines. Ok, je peux soigner des gens, mais qui est-ce que je peux soigner? Ah si, l'ogre, à cette distance, je peux soigner l'ogre. Allez. Oh, je l'ai soigné rien du tout. Ma déception est totale. Putain, je me fais encore casser la gueule par un... Par un ogre en boucle. Au secours. J'ai perdu ma sorcière. Vraiment. Ouais, vas-y, on va se placer sur l'ogre. On va lui donner du plaisir à cet ogre. Tac, tac, tac. Maintenant que les bourrins sont arrivés, vous allez moins faire les malins. Parfois, on ne me remarque pas. Allez, prends ton attaque d'opportunité. Mais je ne fais que passer. Ouais, sois incapable d'esquiver, surtout, c'est très important. Et tue-moi ce connard. Tu l'as pas bien. Esquiver, mais vas-y. Au secours. Au secours, alors sachant que eux, leurs dés n'ont pas été affectés. Hein. Ils touchent aucun cultiste, tout passe à travers. Regarde, regarde, il est royal le gars, royal au bar. Il est royal au bar. Chance de toucher, 800% quoi. Il est pas tombé. Ah, c'est immunisé à la chute en plus. Bah, formidable. Hein. Je veux que j'ajoute de plus. Bah, nous, on va venir ici. Hein. Voilà. Et puis, on va le gifler. Hein. Si ça veut bien. Hein. Ah, ou alors on pourrait te pousser. Mais ouais, faut que je te gifle. En fait, faut que je te tue. Échec critique deux fois. Hein. Deux fois sur la gifle, échec critique. Je vais encore me faire casser la gueule par des vieux mages tout pourris. C'est un truc de dingue. Par le pouvoir de la louse ancestrale. Et là, pas si vite, dans le genou. J'ai réussi à causer des dégâts à un mec. Je suis un dingue. Non, c'est pas vital. Coup de bouclier, j'ai pas assez pour un coup de bouclier. Attaque dans le dos, à 146 PV. Ouais, je fais combien moi? 30 à 32, je fais que dalle. Viens ici. Sur son flanc. Et jette-moi une potion dans ce mec-là. J'avais soif. Au secours. Est-ce que tu peux me le détruire, ce machin-là? Vraisemblablement, non. Alors, on va réessayer. Un barrage d'acier n'est pas nécessaire. Une attaque de base devrait faire le taf. Allez, ça voilà. Dégage.
Maintenant, viens me mettre la pression sur ce fils de pu. Hop, un petit meurtre. Je frappe sans bruit, mais avec un crit. Sans douleur. Ok, vie, il me reste plus rien, mais va falloir y aller, hein. Hop. Ah, tiens. Ah oui, je prends moins 4 parce qu'il a l'armure d'épine, évidemment. Hop. Tu la vois, ma capuche? Fuite. Là, t'es emmerdé, hein. Je t'ai mis le mec qui a le plus d'esquive, hein. Je peux pas l'emmerder plus, le gars. Paf, paf. Je vais mettre mon 1 ici, parce que l'idée, c'est de le mettre entre les deux. Pour leur mettre une bonne giflasse de groupe. Ouh, j'en ai rien à foutre, vous êtes des mages de cons, hein, donc s'il faut que je perde 16 points de vie là, tant pis, on perdra 16 points de vie ici. Hein. Rototo, allez, pas d'échec critique sur le Rototo. Oh, le coup critique sur le Rototo, très joli, très esthétique, on a beaucoup aimé. Ici, à la Conarfan Production, on a apprécié. Sachez-le. Tac, une petite flèche dans le guérisseur. Plus de guérisseur. Hop. On va se ramener un barbare ici. Un rôdeur. Un ranger du dimanche. J'ai plus laissé de place pour pouvoir passer. C'est pas grave, vous inquiétez pas, on va se faire de la place. De la place, s'il vous plaît. Voleur. Coup de couteau de cuisine. Pas besoin de bouger. Ça prend, prends la douleur, prends de la souffrance. Prends tout ce que le monde t'offre. Savate-le. Le nain aura fait le taf. Le nain aura grave fait le taf. Mais qu'est-ce que... Un niveau. Le barbare gagne un niveau. Le voleur gagne un niveau. Ouh, il y a des trucs qui ont l'air incroyables. On prend tout, et on verra ça dans un autre épisode, car cet épisode est suffisamment assez long. Alors, t'en veux encore? Raclure de bidet de troll. Désolé, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je tire ma révérence dans une myriade de fumbles radiants. Comme les didouilles, il a encore filé. Voilà. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour le Donjon d'Albuck, et je vous dis...